Yo c'est plusieurs journalistes qui sorti dans différents médias dans région métropolitaine Port-au-Prince-Lan qui a participé dans atelier formation ça activité ça qui déroulé dans espace centre opération urgence nationale là visé renforcer capacité bénéficiaire yo dans ça qui concernait risque ak désastre. Premier ministre là qui prend la parole dans moment ouverture atelier ça fait connait meilleur allié institution qui là pour faire intervention avant, pendant et puis après catastrophe naturelle yo, c'est la presse. C'est ça que fait, c'est le chef gouvernement, li important pour journalistes yo engagés au plus dans chercher et puis diffuser information les catastrophes naturelles, ça cap permettre des gaillots diminuer. Vous êtes pour les privilégiés des acteurs essentiels de l'éducation et de la sensibilisation de la population en matière de gestion des risques et des désastres, ainsi que de l'information du public dans le monde normal comme de l'urgence. Donc cet atelier que je dis tout à l'heure vise non seulement à renforcer le partenariat que nous avons avec vous pour permettre de sauver les vies, mais c'est aussi l'occasion d'échanger, de vous aider, de bénéficier de vos expériences. Le thème de la campagne du sénateur pour la saison cyclonique nous appelle tous à l'action. En nous, chaque jour, pour nous, pour communauté, nous, capables. Il est impératif que chacun de nous joue son rôle pour éviter les effondrements de la collectivité. Nous avons passé des années à construire, parfois malgré de nombreuses vulnérabilités qui affaiblissent notre environnement et notre société. Il est temps de changer nos pratiques. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Directeur général protection civile là Emmanuel Pierre qui c'est youn nan moun qui t'est formé panel qui t'a intervenu sous cause gestion risque ak désastre et puis fonction sociale protection civile t'est partagé ak participant yo nan formation ça chaîne communication si toutefois gen yon catastrophe naturelle k'ap rive sou pays a les principaux canaux de communication de la chaîne comité local et nous avons des médias traditionnels, nous avons des médias qui sont en ligne, nous avons des sites web, nous avons un ensemble de canaux de communication de la télévision, sans oublier l'alerte, les brigades de la protection civile, les volontaires de la Croix-Rouge. Qui ont utilisé les gafoles pour arrêter, c'est-à-dire la dimension communautaire aussi de la diffusion de l'alerte. Après numéro 1 DGPCA, yon nan cadre unité hydrométéorologique yo te partagé ak participant yo sa ki genyen nan bulletin météo pour mardi 13 d'août 2024 la et puis ba ou détail sou signification différents alerte yo les instances concernées yo prévoyon catastrophe naturelle. Atelier formation ça qui démarre mardi 13 d'août 2024 là a fini mercredi 14 d'août 2024 pour deuxième journée activité ça c'est un autre groupe journaliste équipe direction générale protection civile là a gain pour recevoir.